Bon, et donc, j'espère que vous allez bien, c'est Théo, et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Yo-Kai Watch, et comme vous pouvez le voir, on a le boss. Donc, petit problème. J'ai tout simplement une équipe aléatoire. Donc, j'étais vraiment pas prêt à combattre contre lui, donc on va combattre contre eux. J'ai vraiment des yokai, mais... Voilà, bah... Bon bah on va faire 100. Ah ouais, en plus il est encore plus fort. Ah ouais, mais ça va être impossible. Ah ouais, mais pourquoi aussi j'ai voulu faire up mes premiers yokai. Bon, tac. Va se faire one shot, non? Ah bien sûr. J'ai fait le pire mouvement. Je sais pas si ça va être possible de le battre. Ah ouais. En vrai, je pense que c'est possible. Faut juste jouer avec les morts. Bizarre dit comme ça, mais bon. En fait, faut que je fasse respawn à chaque fois des... Chaque fois, faut que je fasse respawn. Je sais pas si c'est rentable en soi. Ah ouais, on fait très peu de dégâts. C'est impossible. C'est impossible, je vais pas réussir. En vrai, le ratio il est tellement bon que je peux.
C'est juste bah, le nombre de trucs que j'ai. Et de base en plus lui il est pas super puissant. Mais... Ah ouais, coup de matraque. Ah ouais. Attends, attends. Ah bah c'est pas grave, tant pis. Bon, au moins on aura testé, mais waouh, mais je suis trop bête. Pourquoi j'utilise une arme, une équipe comme ça? Bon bah tant pis. Au moins du coup on aura, entre guillemets, test. Dans tous les cas, le Oni noir, donc le plus puissant, je le ferai pas, je pense, en vidéo, parce que c'est assez dur de le choper, donc bon. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer la cloche, c'était auteur, donc le box je kiffe. Allez, ciao.